Americana. Marius, ta collection a été basée en fait sur deux univers très différents. Quels sont-elles? En réalité, c'est presque tout un univers finalement. C'est tout l'univers du ski, de l'après-ski, de tout le plaisir qu'on a à jouer dans la neige, de recycler la fourrure, se la mettre autour du cou. Tu sais, les vêtements de ski, ça peut être un peu froid. Là, moi, j'ai essayé de mettre un peu de chaleur, un peu de beauté dans tout ça. Et tu utilises maintenant du cachemire. Est-ce que le cachemire est recyclé? Non, malheureusement, on en recycle beaucoup pour ma collection. Mais pour faire des pulls, c'est vraiment difficile. On a essayé l'année dernière, mais quand ça prend 8 pulls pour faire une collection, ça devient vraiment compliqué. Tu continues ta collaboration avec Rossignol. La première collection que j'ai faite avec eux, c'était sous le nom de Castelbajac. Donc, c'est M. de Castelbajac qui faisait le design. Là, c'est vraiment un travail d'équipe entre eux et moi. Et moi, j'étais là pour d'abord fournir la fourrure, mais après, je me suis impliquée dans toute la partie design. C'était plus fort que moi. Donc, finalement, il y a les deux noms dessus. Et à l'intérieur des doublures, il y a vraiment tout le logo Arikana avec l'histoire, la rencontre des deux. C'est vraiment très chouette. Quand j'ai vu le kit, oui, il n'y a comme pas de séparation. C'est comme le fourreur est mixé dans le vêtement Rossignol. C'est vraiment comme une pièce complète. Est-ce que c'est comme ça que tu veux? Oui, c'est comme ça qu'on l'a créé. C'est ce que l'équipe de Rossignol voulait. Oui. C'est qu'il fallait vraiment qu'on sente que c'était une seule collection. Ça avait un aspect assez luxueux. Une petite touche de Canada quand même. Moi, je peux pas m'en empêcher avec les grosses tresses. Avec... Mais c'était compliqué parce qu'au début, les manches étaient trop grosses. Les... Ça a été vraiment... Même des foulards, puis c'était comme... Oh, en tout cas, j'ai trouvé excellent. Merci beaucoup, Marius. Merci beaucoup. Merci.